Choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour la suite d'Amour Sucré, ça ne peut être qu'une bonne journée. Alors il pleut, mais comme à chaque fois que je fais Amour Sucré, c'est ou la canicule ou l'orage, je me dis que tous les astres sont réunis pour que je continue, hein. Donc épisode 33, le fruit du hasard, on l'a terminé et on peut attaquer avec épisode 34, message inquiétant. Alors est-ce que ça va pas nous concerner la petite Iris qui avait l'air de nous cacher des trucs avec ses messages intempestifs? Sais pas. En tout cas, il y a Ambre, ça ne dit rien qui vaille, hein. Après la soirée chez Iris, tu réalises que tes amis ont sûrement des choses à cacher. Mais il serait peut-être temps de penser à toi et à ta relation. Gare cependant en retour de flamme. Oula! Oula, oula, oula! Re, alors désolé, j'ai dû changer un petit peu les choses. Vous êtes beaucoup à me dire que ça vous manquait de voir la tête de Thiboudounette. Donc voilà, je me suis mis en dessous. Dites-moi si vous préférez comme ça. De toute façon, pour changer une fois, ça va pas nous tuer, hein. Donc, commençons, commençons. J'ai un peu la boule au ventre ce matin. Oui, bah oui, parce que on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, hein. D'ailleurs, c'est pas bien, vous deviez être là. Mais en gros, Castellounet s'est enfui en mode pas content du tout parce qu'on a failli embrasser les Ouchous pour un jeu de la bouteille. Ce qui fait qu'elle s'est enfuie à sa suite en plantant les Ouchous comme une pauvre courge. Voilà. Donc oui, c'est normal qu'elle stresse, que tout le monde doit se douter qu'il y a quelque chose de pas net, quoi. Ce qui s'est passé à la soirée d'Iris, c'était quand même pas rien. Et je crois qu'on s'est vraiment fait remarquer. Je m'attends à devoir affronter un flot de questions. Si ça se trouve, je suis juste parano, hein. Allez, j'ai intérêt à me presser, je vais pas être en retard en cours d'histoire. Bon, je suis pas en retard, certains élèves sont même pas encore assis. Castiel est seul à sa table. Je ne sais pas si c'est raisonnable de prendre place à ses côtés vu les événements récents, mais tant pis, il faut que je lui parle. C'est bien, si on peut enfin sortir de cette fucking relation cachée, je serais très contente. Je me suis laissée tomber sur la chaise à côté de la sienne en lui adressant un sourire timide, genre ça. Timide, ça veut dire piteux en langage thiboudounette, hein. Un peu de silence, merci! Monsieur Farès a à peine commencé son cours que la plupart des élèves ont recommencé à parler à voix basse, comme c'est souvent le cas en histoire. Comme notre prof en première, c'était la même. En plus, il a la même tête, hein, c'est... Je savais que c'était le moment parfait pour une petite discussion. Bon, allez, crache le morceau. Quoi? Pas la peine d'y aller par quatre chemins, je sais que t'as besoin de parler. Je voulais savoir, t'es en colère après moi? Je pense que c'est ce qui se correspond le mieux, parce qu'il a quand même failli embrasser les ouchous, donc bon... J'avoue, j'aime bien quand tu me fais le coup du petit oisillon égaré. Je veux dire, je sens comme un froid depuis la soirée. C'est pas toi le problème. Je me répète, mais tu lui plais. Non, c'est tellement la merde! Oh mon dieu! En plus, vous m'avez dit que c'est parce que j'ai parlé avec les ouchous avant que j'ai foutu la merde. Mais je savais pas, moi! Vous me dites pas tout aussi en commentaire, alors... On a déjà eu cette discussion. Qu'est-ce que je peux faire pour t'enlever cette idée de la tête? Non mais meuf, t'en sais rien, surtout, ça se trouve, tu lui plais vraiment. Et nous, on le sait, hein, mais... Lui dire qu'il arrête de rêver. Ok, je vais demander à Monsieur Farès de me laisser la place au tableau pour faire une annonce. Ouais, et le premier qui bronche, je lui casse les dents. Quel homme! Je lui ai pincé le bras pour l'embêter, mais il a immédiatement bloqué ma main avant de m'attirer vers lui. Ah oui, en pleine salle de classe! On n'a pas encore eu notre béco du matin. Hein. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai senti que nous nous comprenions parfaitement à cet instant précis. Pas besoin de s'effrayer à l'idée que quelqu'un puisse surprendre ce moment de complicité. Castiel avait saupé son geste d'instinct avant de laisser glisser sa main jusqu'à mon genou, là où personne dans la salle ne pouvait la voir. Mon dieu, ça va faire une fanfiction de cochonnerie cette histoire. Non mais attends, ouais, ça part en, hein. Non, j'ai failli poser une question. Je vais pas vous poser cette question. Non, je vais pas la poser. Débrouillez-vous. Non, je pose pas la question. Je pose pas. Pour la première fois, j'ai apprécié pleinement le fait de vivre une relation cachée. Oui, enfin, t'as pas besoin de cacher ta relation pour qu'on te tripote le genou, hein, ou ailleurs. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Ce qui se passait entre nous n'appartenait qu'à nous, et j'adorais ça. J'ai dû noter deux ou trois phases pendant ce cours. Ah, c'est bien, c'est comme ça que tu vas avoir ton année, toi. Lorsque la sonnerie a retenti, nous avons décidé de profiter d'une heure de permanence pour nous isoler tous les deux. Bah tiens, à force de se faire tripoter le genou, ça donne des idées, hein. J'arrête. Je crois que l'attirance qu'on ressent l'un pour l'autre commence à prendre un peu trop de place pour en laisser une à la concentration. C'est assez excitant de se cacher tout un lycée. Ouais, d'accord, oui, c'est pas... Bing! J'adore parce que quand on rentre dans quelqu'un, ça fait toujours un bruit. Hey! Peggy! Regarde où tu vas. Oh pardon, c'est vrai, je suis trop distraite. Elle est restée quelques secondes à nous fixer sans rien dire. Ça pue! Bon, si tu permets, on passe. Mais faites donc! Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue vraiment! Du coup, comme c'était qu'un 2 sur 5, je me suis dit que c'était mieux de lui mettre un vent. Bah encore heureux, ne fais pas le coup de capucine. On te l'a déjà dit, Ellie. Un 3, c'est limite. Alors un 2, même pas en rêve. J'ai jeté un regard à Castiel. Allons-nous-en. Je tiens pas à savoir de quoi elle parle. Ah ouais? Parce que moi, je sais.
Ah bon? Bah meuf, elle donne des notes au mec et puis si en fonction d'un certain niveau, t'as pas le droit de sortir avec. Bon enfin, tu sors de maternelle! Et encore même en maternelle, elles le font, ça se trouve. Cette pimbèche me tournait tellement autour à une époque qu'elle m'avait expliqué leur petit système. Elle juge les mecs en fonction de 5 critères. Ça leur donne une note sur 5 et si un garçon marque pas au moins 3 points sur 5, elles n'ont pas le droit de sortir avec. Sympa, non? C'est très spécial. Je vois quand même assez mal Ambre te révéler tous ses secrets. Elle était toute fière de m'annoncer que j'étais un 4,5. Comme si j'en avais quelque chose à carrer. Bref, en tout cas, t'as raison. Mieux vaut se barrer de là. Les couloirs se vident. On va peut-être pouvoir être tranquille. J'ai une idée. Suis-moi. C'est bon, y a personne. Tu te rappelles, c'est ici que. Qu'on s'est embrassé la première fois. Pourquoi tu crois que je voulais revenir ici? Alors là, le mec, il est presque aussi rouge que ses cheveux. C'est quand même indicatif du fait qu'il est un petit poil gêné, hein. C'est drôle de le voir rougir, ça arrive si peu souvent. Je me suis avancée jusqu'à ce que nous soyons plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le béco! Le béco! On n'a pas encore eu notre béco du jour, ça ne va pas du tout. Monsieur devient romantique. Si on m'avait dit ça il y a quelque temps, je ne l'aurais jamais cru. C'est pas mon domaine de prédilection. Sans prévenir, il a plaqué ses lèvres sur les miennes pour m'embrasser à pleine bouche. Voilà. Là, on va pouvoir penser à autre chose. On va libérer les hormones et puis on va pouvoir penser à autre chose. C'était comme si mon sang s'était mis à bouillonner dans mes veines. Le souvenir de notre premier baiser, mêlé à la situation présente, me donnait une détermination nouvelle. Oula, elle va te le plaquer dans la serre. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Castiel pour un baiser encore plus passionné. J'ai senti ses mains serrer ma taille plus fermement, son souffle s'accélérer. Jeunes gens? Je me suis reculée précipitamment, un peu sonnée. C'est un lycée ici, alors faites-moi le plaisir de contenir vos ardeurs. Vous n'êtes pas ici pour batifoler. J'ai dû me mordre les joues pour ne pas rire, la situation est tellement improbable. On ne fait rien de mal, techniquement. Je vous conseille d'attendre la sortie des classes pour vous adonner à ce genre d'activité. Très bien, vous adonner à ce genre d'activité. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mon fou rire. Nous sommes partis en laissant échapper quelques gloussements. Je me sens tellement plus légère ces derniers temps. Eh ben c'est normal, hein, le béco, ça te soigne le mental, hein. Avant, je me serais sûrement fait tout un monde de l'intervention de Monsieur Farès. Et là, je pense avec des contractions. Après l'heure de permanence, nous devons aller en cours de sport. Je me demande ce que nous a réservé Boris aujourd'hui. Mon Dieu. Allez les enfants, on ne traîne pas. Allez vous changer au vestiaire. Aujourd'hui, séance d'acrosport. Nous allons tester votre esprit d'équipe. Bon, c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau. J'ai dressé un discret signe de tête à Castiel avant d'aller rejoindre les vestiaires côté filles. Coucou Thiboudounette. Salut ma Violette. Bien remise de la soirée? Oh oui, t'en fais pas, ça va. En fait, je me suis plutôt bien amusée finalement. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tout le monde s'entendre aussi bien. Enfin, sauf à la fin. Oh, pitié, commente pas Violette, hein. Moi je mens pas à Violette d'amour. Hein. Je l'ai regardée interdite. Est-ce qu'elle est en train de parler de ce dont je crois qu'elle parle? Fais pas cette tête-là. Je suis sûre que mon poisson ferait la même si je sortais de son bocal. C'est que, c'est drôle de voir comment est Castiel avec toi. Je me suis sentie devenir blanche comme un linge. Ah bah ça tombe bien, Castiel était rouge comme une tomate, ça fait un beau mélange de couleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne voulais pas être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer certaines choses. Elle est trop mignonne, avant peur de me mettre mal à l'aise. Mais j'ai toujours aussi peur de ce qu'elle va me dire. Oh mais ça va, meuf, dis-lui, c'est Violette d'amour, quoi. En plus, on sait, bah c'est 93%. Genre, vas-y, tu vas pas lui cacher des choses. Moi, je l'aurais dit depuis longtemps. En plus, Violette, tu peux avoir confiance. Tu connais Castiel, il n'est pas du genre à agir en fonction des autres. Et là, pendant la soirée, il te regardait souvent, comme si sa soirée dépendait de toi. Comme si. Je n'ose pas lui demander de finir sa phrase. Tu me prends pas pour une commère, hein. C'est juste que comme je n'aime pas parler beaucoup, j'ai pris l'habitude d'observer les gens. T'inquiète pas, t'as bien le droit. Je voulais juste te dire que je trouvais ça mignon que vous vous soyez rapprochés tous les deux. C'est vrai qu'on s'entend bien. Soudain, nous avons été interrompus par des éclats de voix venus des vestiaires des garçons. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que... C'est quand même pas ma faute si tu t'es mal réveillée ce matin. Tu peux me dire ce qui t'arrive, ça n'a rien à voir avec mon sommeil, je te remercie. Qu'est-ce qui vous prend, bon sang? Et comment ça se fait que vous soyez dans le même vestiaire d'un coup? Castiel a décidé de faire tomber son sac de sport sur ma tête. Il a l'air d'avoir soigneusement choisi son moment. Hein? J'ai regardé Castiel incrédule. J'ai pas fait exprès, je vois pas pourquoi il s'énerve comme ça. Lisandre a l'air convaincue du contraire. Non mais t'es sérieux mec, mais t'es sérieux? Oh putain, on a foutu la merde. On a foutu la merde. On a foutu la merde entre deux meilleurs amis. Comme quoi il faut pas cacher une relation, hein? Il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires, mais si Thibou cacher les relations, c'est bien, tu vas voir. Ah bah je vois. Oh, je vois, c'est magnifique. S'il vous plaît, pas la peine d'en faire toute une histoire.
J'imagine que Castiel a dû s'excuser. Si peu. C'est bon, je suis désolée, ça te va. Ça ira. Il a tourné les talons tandis que je faisais des gros yeux à Castiel. S'il vous plaît, les enfants, ne traînez pas, nous sommes déjà en retard sur les horaires. On y va, dans la joie et la bonne humeur et l'allégresse. Le cours d'acrosport s'est déroulé de manière un peu chaotique. Personne n'a l'air très concentré aujourd'hui, et petit à petit, la mauvaise volonté a gagné toute la classe. Monsieur Boris avait l'air complètement dépité. C'est là qu'il faut un maillon énergique, tu sais, quelqu'un qu'il faut faire la fofolle et faire « Allez, on y va !» Et puis ça rebooste tout le monde. Le cours de sport s'est achevé sur la promesse que les choses se passeraient différemment à l'avenir. Personnellement, j'ai pris l'habitude de n'écouter Monsieur Boris que d'une oreille. Le respect envers les profs est mort dans cet épisode. Hein. Ces menaces sont rarement suivies des faits annoncés. Tandis que tout le monde se ruait vers la sortie du gymnase, Castiel m'a fait signe de le suivre. Ça tombe bien, je crois qu'il me doit quelques explications quant à la petite scène de tout à l'heure. La plupart des élèves se ruent vers la cantine. Peu de risques d'être dérangés, donc. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste tout à l'heure, dans les vestiaires? J'étais en colère. Ça n'aurait pas un rapport avec le jeu de la bouteille par le plus grand des hasards? C'est surtout qu'il s'est mis à parler de toi dans les vestiaires. Alors je sais pas, c'est parti tout seul. Là là, c'est la merde! Comment ça, il parlait de moi? De toi et de ta robe, si tu vois ce que je veux dire. Sérieusement, mais... Ah, tu es là, Thiboudounette! Rosa, c'est pas le moment! Je vous dérange peut-être? Non, on reparlera de ça plus tard. Ou pas. Pas la peine de s'étaler 3 heures là-dessus. J'ai levé les yeux au ciel. Bon, je te l'emprunte alors. C'est de moi que tu parles? Tout à fait! Tu ne rentres pas chez toi de toucher ce midi. On pourrait faire un bout de chemin ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Vu son regard appuyé, je devine que sa question n'en est pas vraiment une. Ouais, j'avais prévu de rentrer, effectivement. On ne devrait pas trop tarder alors, si on veut être de retour à l'heure. Cette fois, c'est sûr, Rosa a quelque chose à me dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un temps fou à venir te parler. Soit je tombais sur toi et tu étais avec quelqu'un, soit t'étais introuvable. J'ai passé du temps avec Castiel. C'est l'amour-passion, dis donc. Tu rigoles, mais c'est un peu ça. Je veux, oui. C'est palpable quand on vous voit tous les deux. La tension sexuelle est au maximum. Ça suffit! Je crois que vous pourrez faire cuire un œuf sur mes joues. Enfin, une meuf qui dit le mot sexe dans cet épisode. Je crois qu'on n'a pas encore employé une seule fois le mot sexe en 34 épisodes. C'est naturel, hein? Au bout d'un moment, si les deux ont envie, que des choses se passent, hein? C'est... Faut que les deux aient envie, mais là, apparemment, ils ont très envie, donc... Merci, Rosa. Merci d'encore une fois dire ce que tout le monde n'ose pas dire. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? De faire attention. Je ne sais pas si tu as eu des échos, mais certains commencent à se poser des questions. Oh non, tout ce que je voulais éviter. Attends, t'affole pas, c'était pas bien méchant non plus ce que j'ai entendu. Mais comme tu t'en doutais peut-être, votre petit coup d'éclat à la fin du jeu n'est pas passé inaperçu. Ouais, le contraire m'aurait étonné, oui. Mais personne n'est venu m'en parler, alors je me suis dit que les gens étaient passés outre. Tu penses? Ils vont pas venir te poser directement des questions. Alors, qui a dit quoi? J'ai surpris Violette en train d'en parler avec Mélodie. Enfin, tu connais Violette, c'était pas bien méchant. Elle a même pas dit que vous pourriez être ensemble, elle faisait juste une remarque en passant. Elle m'en a plus ou moins parlé tout à l'heure aussi. Heureusement qu'elle est pas du genre à chercher plus loin. Et Mélodie, elle en a dit quoi? Elle n'a pas trop relevé. Bon, on a peut-être réussi à limiter les dégâts finalement. Sûrement oui, mais vous ne pourrez pas vous cacher éternellement si votre histoire dure. Tu le sais, pas vrai? J'ai pas dit que je me cacherais toute ma vie non plus. Je te dis pas comment gérer ta vie, hein. Je sais juste d'être un peu pragmatique. Je sais, Rosa. Je sais pas si je le montre assez, mais j'écoute tout ce que tu me dis. Je suis contente d'avoir une amie d'aussi bon conseil. Arrête, je vais rougir si tu continues. Bon allez, sur ce, je vais prendre une douche avant qu'il soit trop tard. Oui, je serais bien de me dépêcher aussi. Ok, à toutes! Allez, un petit break à la maison avant de reprendre les cours. Oh! Iris, ça va? Ou tu as vu Casper? Si c'est lui, il est gentil. C'était mon ami d'enfance. Imaginaire. Non, mais il est... Oui, enfin. Iris, ça va? Oh, très bien! Et toi, Thiboudounette? Ça va, oui. C'est le vibreur de son téléphone que j'entends derrière? Tu sais, si tu as besoin de... Non. J'ai peur que ça soit maladroit. Toi aussi, tu rentres manger chez toi? Oui, d'habitude, ça me dérange pas de me doucher au lycée, mais là... Qu'est-ce que... J'avais envie de profiter du calme de mon appartement. Oui, je comprends. Elle fait aussi flipper que Nina quand elle était en phase bad, hein. Je te lâche, je file du coup. À plus tard! Elle commence à sérieusement intriguer. Mais bon sang, ce ne sont pas mes affaires. Il faut que j'arrête. Bah si, quand t'as une amie qui est dans la merde, tu peux t'en occuper. Mais pas en mode chelou, quoi. Juste, tu lui en parles. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma douche, complètement perdue dans mes pensées. Je ne dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je ne dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je ne dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je fais la conscience. Je suis pas idiote, je refuse de la croire quand t'as dit que tout va bien.
Mais il s'agit sûrement d'un problème perso, ou du moins de quelque chose qu'elle veut pas aborder avec moi. Je dois apprendre à rester à ma place. Oui, mais tu peux aller la voir, genre excuse-moi, j'ai l'impression que ça va pas, si t'as besoin, je suis là. Tu vois? Et puis j'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit avec ce qui m'arrive en ce moment. Ouais, c'est surtout ça, hein, ami indigne. Non, c'est pas vrai. Mon moral est gonflé à bloc, rien qu'à l'idée de revoir Castiel cet après-midi. J'ai pourtant vite déchanté en retournant au lycée après déjeuner. Les cours ont été plutôt intenses et ne nous ont pas laissé une minute de répit. Au final, c'est à peine si on a pu se parler. En revanche, Ambre a trouvé le temps de me bousculer dans le couloir. Très original. J'ai pris le parti de l'ignorer royalement. Je prends ses provocations beaucoup moins à cœur désormais. C'est pas elle qui m'empêchera de dormir la nuit. Très bien, ça c'est bien, mais qu'est-ce que je suis fière de ma petite boudounette. Ça c'est une bonne nénette, hein. Ah non, mais elle est bien. Et effectivement, ce ne fut pas Ambre qui m'empêchait de dormir, mais plutôt l'excitation qui agitait mon esprit. À quel sujet? Je déborde d'énergie, même à 2h du matin maintenant. Super. Ah, est-ce qu'on va aborder le sujet de la masturbation maintenant? Non, parce que ça peut être un bon moyen de se soulager l'énergie, hein, mais après, bon, non, mais j'en parle parce que, voilà, elle parle d'énergie la nuit, moi, voilà, c'est naturel, hein, mais bon, après, je ne vais pas en parler si le jeu n'en parle pas, mais c'est naturel, voilà, n'ayez jamais honte, c'est tout, j'arrête. Finalement, je n'ai dormi que quelques heures pour me réveiller aux aurores, toute groggy. J'ai envie de choisir soigneusement ma tenue aujourd'hui. J'hésite entre plusieurs styles. Ah, facile! Castiel, il aime les mini-shorts, on le sait. Je suis plutôt contente de ce petit look. En plus, vous la voyez maintenant, vous voyez ma petite boudounette. Les gargouillis de mon ventre m'ont ramené très vite à la réalité. Il est temps de prendre mon petit-déj. Salut maman! Bonjour ma chérie, dis donc, tu es mignonne comme un cœur, merci! Pour qui est-ce que tu te fais belle comme ça? Est-ce que j'ai forcément besoin de me faire belle pour quelqu'un? Pourquoi ça ne pourrait pas être tout simplement pour moi? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien! Bon, elle ment, mais c'est bien quand même comme pensée. Parce que je suis ta mère et que je te connais. Je vois bien que t'es quelque chose est en train de changer chez toi. Et ça m'a l'air plutôt positif. Ouais, je suis très bonne humeur en ce moment. Je vois bien. Tiens, ton père a fait du brownie. Je me suis servi une grosse part, me régalant d'avance. Je sens que ça va être une bonne journée. C'est l'heure, je serais mieux de pas trop traîner. Ah, c'est bien, j'aime bien l'avoir en forme comme ça. Évidemment, il fallait que j'arrive en même temps qu'elle... Gardons nos distances. Ils ont redessiné que Ambre, mais pas les deux autres, si? Je sais plus s'ils les ont dessinés les deux autres. Visiblement, la leçon a été totalement inefficace. Ouais, il faut faire quelque chose. Si on n'a même plus d'autorité sur elle, c'est la fin. Mais si ça se trouve, il est très gentil, et c'est pour ça qu'elle veut pas le quitter. Mais tu le fais exprès ou quoi? Gentil, ça ne fait pas partie des critères, Lee. Ouais, ouais, je sais bien, j'essaie juste de la comprendre. C'est elle qui doit comprendre, pas l'inverse. Ouais, t'as raison. Bon sang, elle doit encore parler de Capucine. C'est dingue à quel point ça charne. Il faut que... Tiens, tiens, voilà la cause du problème. Elle me regarde fixement. Eh mais Charlotte, c'est une fourbe. Elle est pire qu'Ambre, en fait, hein. Pardon? Tu m'as bien entendu? C'est toi qui t'allais mettre dans le crâne de Capucine qu'elle était bien avec son loser. Je lui ai juste dit qu'elle devait faire ses propres choix. Maintenant, vous m'excuserez. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Hein? Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que c'est? Avant, tu prenais la mouche directe. Là, on dirait que rien peut t'énerver. Je me suis contentée de lui sourire avec défiance. Je suis bien contente d'avoir enfin trouvé une attitude qui la déroute à ce point. Ah, mais quand t'es heureux et que t'as confiance en toi, ceux qui t'emmerdent, ils peuvent plus rien faire, hein? Là, c'est... Ah, là, Castiel, c'est la raison du bonheur, mais ça pourrait être autre chose, hein? Je serais toi, je rirais pas trop. Ça ne va pas durer. Et sinon, à part me menacer, vous avez autre chose en réserve? Ça devient ennuyeux. J'ai tourné les talons sur sa dernière provocation. Bim! Je l'aime quand elle est comme ça. C'était peut-être la phrase de trop, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Ces garçons ont vraiment besoin que quelqu'un les remette à leur place. Sur ce, je vais chercher la compagnie de quelqu'un de plus agréable. Il reste un peu de temps avant que les cours ne commencent. J'ai bien envie de papoter un peu avec Alex. C'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, la soirée, quoi. Oh, Mélodie. Mélodie. Bon, allez, on va faire... Toi, typiquement, Mélodie, c'est le genre de meuf, tu l'aimes par pitié. C'est triste, hein. C'est triste, mais c'est vrai. Mais elle peut encore se bouger, hein. Faut juste qu'elle arrête de juger tout le monde, mais... Bon, allez, on va être sympa. Beaucoup n'ont pas été très aimables avec Mélodie dernièrement. Il est temps de rattraper le coup. Salut, Mélodie. Bonjour, Thibaudounette. J'aimerais reparler de la soirée. J'espère que je gaffe pas, mais j'aimerais vraiment reparler avec elle, voir un peu pourquoi, si les développeurs, ils ont creusé un peu cette idée de pourquoi elle est aussi réfractaire à l'alcool. Oh, c'est-à-dire?
Il y a une sorte de guerre froide entre toi et les autres, et ça m'intrigue. Tu veux parler de ma réaction quand j'ai vu qu'il y avait du punch à la soirée? J'ai failli redire punch. En fait, alors, vous m'avez, j'ai remarqué pendant le montage, j'ai dit punch toute la vidéo, mais c'est à la lecture en fait. Comme je lis punch, moi ça se lit punch, je le lis comme ça, et en fait c'est du punch évidemment, hein, la boisson. Le punch c'est un coup de poing, voilà. Mais bon, on va dire que j'ai dû avec l'accent anglais. Hein. Oui. Oh là là, j'espère pas avoir déclenché un cataclysme. S'il te plaît, Mélodie, ne me donne pas de raison de te détester. Eh bien, tu vois, je suis contente que quelqu'un pose enfin la question. Vraiment? Oui. J'ai une tante que j'aime beaucoup qui est une ancienne alcoolique. Voilà, je me doutais qu'il y avait un truc, je me doutais. Tu peux pas être à ce point bloqué s'il n'y a pas une raison. À l'époque où elle était au plus bas, elle se détruisait complètement. Et quand elle était libre, c'était... Je sais même pas comment décrire ça. Je voulais pas voir ça en tout cas, ça m'effrayait beaucoup. Ça faisait du mal à tous ceux qui l'aimaient de l'avoir dans cet état. Je crois que ces mauvais souvenirs resteront toujours gravés dans ma mémoire. Je comprends mieux ta réaction maintenant. Peut-être que tu aurais pu en parler aux autres, histoire d'ouvrir un peu le dialogue. Ouais, c'est pas facile. J'avais pas forcément envie de raconter ça à tout le monde. Oh, oui, ça peut se comprendre, mais... Tu sais, entre boire un ou deux verres de punch à une soirée et devenir alcoolique, il y a un monde, quand même. Bon, le quand même étant trop, mais... Ça a commencé comme ça pour ma tante. Je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement, c'est plus fort que moi. J'ai compris que c'était pas la peine de poursuivre le débat. Chacun son histoire, après tout. En tout cas, j'ai l'impression que Mélodie est contente d'avoir pu se confier sur ce sujet. Et personnellement, je suis contente de l'avoir écoutée. Ça m'évite de porter des jugements injustes. Ouais. Je m'en doutais. Vous avez vu, comme quoi je dois avoir un sixième sens. Je me doutais qu'elle avait forcément une raison dans son histoire pour pas aimer l'alcool à ce point-là, pour être bloquée. Après, je vous dis, moi j'avais un problème d'alcool, on va dire, dans ma famille aussi, et plus proche que ma tante, on va dire. Enfin, quelqu'un que, voilà, je voyais vraiment beaucoup. Et ça m'a pas empêché de pas être choquée. Quand mes potes picolaient, c'est juste que moi je buvais pas, parce qu'effectivement, et mon frère là aussi, enfin voilà, on boit pas. On boit pas d'alcool, on boit un verre ou un cocktail quand on a envie du goût, mais on n'a jamais été bourré l'un comme l'autre. On a nos raisons, tu vois, mais après c'est pas pour autant qu'on va juger nos potes qui boivent. C'est toujours pareil, tu peux avoir tes opinions et tes convictions, mais tu peux pas les imposer aux autres. Donc faut trouver un juste milieu là-dedans. Et c'est pour ça que tu vois, Violette, elle a pas bu d'alcool, mais elle a pas fait chier les autres. Donc faut trouver le... Mais je peux comprendre pour Mélodie, je peux comprendre, clairement. Surtout si c'est ta première soirée où il y a de l'alcool, voilà, le trou qui remonte, logique. Logique, ma petite bichette. Allez, elle gagne des points. Bon, Alex, c'était où maintenant? Je me demande si Alex est déjà arrivé, en fait. Hé, hey, Arminou! Hey! Tu ne saurais pas où est Alex, par hasard? Vers la salle d'art plastique, je crois bien. Oh, super, merci! Hé, hey, Thiboudounette? Oui? T'es vraiment jolie aujourd'hui. Enfin, je sais pas, t'as un truc en plus. Merci, c'est très gentil. Ok, tout le monde a décidé de me regarder différemment. Ça doit être bonjour. À l'amour, ça transforme. Alex est assis à une table en compagnie de Violette qui gribouille sur une feuille. Ah, et voilà la plus belle. Tiens, je croyais que c'était Rosa la plus belle. T'es vexée parce que j'ai dit à la soirée d'Iris? Mais non, je te charrie. C'est vrai que tes vêtements vont très bien. Merci Violette. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié quelque chose dans mon casier pour le cours d'art plastique. Ça vous dérange de rester pour surveiller mes affaires? T'inquiète, on bouge pas de là. Merci, je reviens vite. Elle est sortie de la salle en trottinant. Alors, comment ça va toi? Très bien, mais... Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais tout le monde a l'air de me trouver changée. Sans blague. Toi aussi tu me trouves différente? Un peu, oui. Mais moi, contrairement aux autres, je sais pourquoi. C'est vrai que je me sens bien, mais je ne souris pas non plus sans arrêt. Comment ça se fait que tout le monde semble remarquer le changement? Parce que tu dégages plus d'assurance et de tranquillité. T'y peux rien, c'est dans ton attitude générale. Je vois... Mais les gens ne vont pas forcément attribuer ça au fait que je puisse avoir un copain, si? Bah, c'est possible que certains se posent la question, mais te prends pas la tête, va. Ok, ok. Tu sais bien comment je suis. La vraie moi ne peut pas disparaître totalement non plus. Heureusement, il m'a ébouriffé les cheveux. Encore? Alex, il aime bien faire ça. Sinon, ça va avec Cassel depuis la soirée? J'ai l'impression que c'était un peu tendu quand... Enfin, tu sais. Il a pas très bien pris le gage du bisou, c'est vrai. Mais on en a parlé. Je pense que tout va bien maintenant. Ça va renforcer votre couple. Une petite crise de jalousie de temps en temps et bonjour les réconciliations sur l'oreiller. Bon sang, Alex, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas deuxième allusion au cul. C'est bien. Enfin, au cul, pardon. Au sexe. Oh, même pas un petit peu? J'ai piqué un phare. Ouh, elle doit être rouge toute la journée, quoi. Tu m'étonnes que les gens y remarquent un changement. Il est encore tôt, hein. On a bien le temps de... Il est moins sauvage qu'il en a l'air, le castoche. Castoche. Mais bon, c'est un castor, c'est très moche. Je préfère que c'est lunaire. Tu devrais peut-être prendre les choses en... Stop, 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 stop! J'ai pas envie d'entendre tes allusions, salace. Et ne t'inquiète pas pour son côté sauvage, il est toujours là, je te rassure.
C'est qui ça? Une histoire d'amour sauvage, voilà qui est intéressant. Bon, je fais une voix de meuf, je sais pas qui c'est. J'ai fait volte-face, catastrophe à l'idée que quelqu'un ait pu surprendre cette conversation. Ça donne ça. Très bien joué. Je sais, je mérite un Oscar. Priya! J'ai eu peur. On parlait d'un film qu'on a vu il y a longtemps, hein, c'est tout. Ah, c'est crédible ça, dis donc. Tout va bien, Alex, Priya est au courant de toute façon. Ah ouais? Si vous parlez de la relation secrète de Thiboudounet, oui, je suis au courant. Elle a plus l'air si secrète que ça d'un coup. Priya avait deviné toute seule, de toute façon. Quelle clairvoyance, n'est-ce pas? Alors, ça en est où cette histoire? On aura peut-être le temps d'en parler plus tard, j'ai peur que les autres commencent à arriver. Et effectivement, les élèves n'ont pas tardé à envahir la salle de classe. Je suis restée à côté d'Alex. Les cours d'art plastique sont déjà très plaisants et ça a été encore plus amusant de partager celui-ci avec lui. Nous ne sommes peut-être pas les plus doués, mais Pierrick a le don pour faire passer ça au second plan et nous encourager au mieux. L'alchimie est palpable dans votre duo, vous vous êtes bien trouvés. C'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, on ne s'entend pas du tout. Oh, oui, Alex est totalement invivable. Et l'alchimie vous poursuit jusque dans l'humour, c'est beau à voir. Le reste de la matinée, il est plutôt calme. C'est l'heure de déjeuner, je vais rejoindre la cantine. On a une cantine? Hé, Rosa! Qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on va manger. J'arrive, je revenais juste du gymnase. T'as fait une partie de basket avec le club? Mais quel humour! En même temps, avec tous ces hommes en maillot débordant de testostérone, ça pourrait se comprendre. Dis pas n'importe quoi, l'aigle est le seul qui compte, je ne vois pas les autres. Je sens toi, j'ouvrirai quand même un peu les yeux, tu risques de rater quelque chose. Je pense pas, non? Allez, on y va, j'ai faim! Oui, allez, j'espère qu'on aura un truc mangeable aujourd'hui. La cantine grouille de monde! En même temps, c'est comme tout partout, hein. Les gens mangent à midi. Hein. Ah, on arrive trop tard, y'a déjà la queue. On a trop traîné aussi. Nous avons dû patienter un certain temps avant de voir enfin le bout de la file. Nous, je m'en rappelle, la cantine, quand on était... En fait, elle était en travaux au lycée, du coup, on mangeait dans l'espèce de gymnase. Enfin, le gymnase avait été refait en cantine. C'était le bordel! Du coup, c'était service à table. Oh, la tannée! Oh, je vous jure, c'était la... Après, heureusement, ma dernière année, j'ai pu avoir la vraie cantine. Ah, oh, c'était le luxe, hein. Je veux dire, je peux vous dire. On faisait la queue, on était contents de... Alors que j'allais enfin pouvoir demander le plat qui me faisait envie, je sentis qu'on bousculait sans ménagement. Les trois pestes se sont incrustées entre moi et mes amis, le plus naturellement du monde. Je vais rien dire et me contenter de récupérer ma place dans la file. Voilà, on va pas se battre. J'ai amorcé un mouvement pour les doubler, mais elles se sont décalées de manière à prendre toute la largeur de la file. Super. Je me suis hissée sur la pointe des pieds pour voir comment réagissaient Alex et Rosa, mais ils sont occupés à prendre leur plat et n'ont pas l'air d'avoir vu l'altercation. Pas le choix, je dois prendre mon mal en patience. Ça va, avec trois meufs devant toi. Quelques minutes plus tard, j'ai pu enfin me servir et quitter la queue, mon plateau entre les mains. Je me suis mise à chercher mes amis des yeux. Rosa et Alex sont assis un peu plus loin en compagnie de Violette et Kim. Je me suis dirigée vers eux d'un pas vif. Soudain, mon pied a heurté quelque chose de dur. Oh oh. Entraînée par mon propre poids et celui de mon plateau, je suis sentie projetée en avant. Splaf! Je suis allée m'étaler par terre, le visage dans mon plat de pâte bolognaise. Oh là là, la pauvre! Ah, ça c'est compliqué. Mon dieu, c'est un cauchemar. Faites que je sois en train de dormir, s'il vous plaît. Je me suis redressée, tentant tant bien que mal de me nettoyer le visage, le corps tout endolori. Oh, la bichette! Mon regard tombe sur Ambre et ses imbéciles d'amis hilars. C'est elles qui ont fait ça? Je vais les démonter. Pas la peine de chercher d'où venait le croche-pied. Ah, mais c'est pas vrai, mais rien les arrête, ces gonzesses! Purée, on va leur casser leur visage. Non, on va casser la tronche. Castiel, va les taper! Mieux, on s'embrasse devant Ambre. Depuis le temps que je veux faire ça! J'ai ouvert la bouche dans l'intention de leur hurler dessus. Mais mon cri est resté coincé dans ma gorge, tandis que de plus en plus de rires résonnaient dans mon réfectoire. Après, c'est pas contre elle, tu vois, ouais, les gens sont méchants. Sans que je puisse rien contrôler, j'ai senti des larmes de rage couler sur mes joues. Oh, ma bichette! Avec toute la sauce que je dois encore avoir sur le visage, ça doit pas se voir, de toute façon. Je me sens tellement humiliée. J'ai vu Alex et Rosa tourner la tête en tous sens pour trouver la cause de cette hilarité générale. Ah ouais, ils sont loin, ils ont pas vu. J'ai tenté de me relever, mais mon pied a dérapé et je suis retombée sur le genou. Les rires des élèves deviennent assourdissants. J'ai envie de disparaître dans un trou et ne plus jamais revenir ici. Mais quelqu'un va venir l'aider quand même! Allez, viens, on se casse d'ici. J'ai senti une main se refermer sur mon bras pour m'aider à me relever. Jamais vu autant de bêtises et de méchanceté concentrées dans un seul lieu. Mais il faut ramasser tout ça! Je contemple le désastre de mon plateau gisant au sol, de mon assiette renversée, de mon verre d'eau brisé. Je m'en occupe, tiens. J'ai pris la serviette en papier qu'elle me tendait pour essuyer la sauce que j'avais encore sur le visage. C'est vraiment la meilleure prière. Hein. Bon, Rosa et Alex nous auraient aidés aussi, mais ils sont loin. Priya nettoya le sol avec autant de rapidité que d'efficacité sous les yeux moqueurs des nombreux élèves autour de nous. C'est des connards. Autant tu rigoles sur le moment parce qu'il y a une chute, ok, mais après tu vas l'aider, quoi. Allez, viens, je t'emmène manger dehors, ça te fera du bien.
Je me suis laissée entraîner sans rien dire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de quitter la cantine. Ça va? Allez, respire. On va marcher un peu, ça te changera les idées. J'ai suivi Priya sans broncher. Marcher un peu. Oui, voilà. Ah, on respire déjà mieux loin de cette bande de vautours. J'ai eu tellement honte. J'ai envie de plus jamais remettre un pied au lycée. Ou alors typiquement, dans l'après-midi, tout le monde a zappé. Hein, c'est... Eh, hey, tu penses pas que t'en fais un peu trop, là? Ils sont stupides. Demain, ils seront déjà passés à autre chose. Peut-être bien. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. C'est vrai que marcher et discuter un peu, ça remet les idées en place. T'as faim? Il est encore temps de manger un petit truc au café. Ça me tente bien, oui. Oui, faut manger quand même, faut prendre des forces. Nous nous sommes assises à une petite table en terrasse. Nous avons pu passer commande rapidement. J'ai mordu à pleines dents dans mon sandwich sous le regard bienveillant de Priya. Ça va te requinquer? J'ai hoché la tête, plus détendue. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ma chute de tout à l'heure. C'est idiot, mais j'aurais aimé que Castiel soit là pour me soutenir. C'est pas idiot, c'est normal, hein. Quand t'es avec quelqu'un, tu partages le meilleur et le pire. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu au réfectoire. À quoi tu penses? Je me demandais juste où pouvait être Castiel quand tout le monde était au réfectoire. C'est vrai, je l'ai pas vu non plus. Il avait sans doute décidé de manger plus tard. Alors, comment ça se passe, vous deux? Oh, très bien, je me suis sentie rougir. Même si je l'apprécie beaucoup plus maintenant, je peux pas dire que je sois très proche de Priya non plus. Je ne me sens pas très à l'aise. Détends-toi un peu, tu veux? Je suis pas là pour te juger ou collecter des ragots. Si j'avais pas voulu parler de ta relation à tout le monde, ce serait fait depuis longtemps, tu ne crois pas? Non, mais je te fais confiance. Écoute, je suis heureuse, vraiment. Castiel est quelqu'un d'assez passionné. Je reviens toujours pas qu'il soit attiré par moi, pour tout te dire. Arrête ton numéro. À t'entendre, on croirait que tu étais vouée à vivre, finir vieille fille. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est juste un garçon comme lui. Je me suis interrompue au milieu de ma phrase. Je ne veux pas avoir l'air de te dévaloriser, mais bon sang, c'est quand même le genre de garçon sur lequel on ne fait souvent que fantasmer. Il y en a souvent un dans le bahut, hein, mais faut bien qu'il sorte avec quelqu'un un jour. Bah là, c'est tombé sur elle. C'est normal, elle est parfaite, Mathieu Boudounette. Un peu con, mais parfaite quand même. C'est tellement ironique. Les plus belles filles sont souvent celles qui ne savent pas qu'elles le sont. Et je ne parle pas que du physique. C'est un compliment? Tu veux que ce soit quoi d'autre, meuf? C'est un des plus jolis compliments qu'on puisse te faire. Et quand, tu vois, quand je dis qu'elle est un peu con, bah en fait, elle est très con. C'est pas... Évidemment. Alors merci. Et toi de ton côté? Toujours pas d'amoureux en vue? Je sais pertinemment que ma question est maladroite, mais je ne tiens pas à parler de moi pendant tout le repas. Pas vraiment, non. Tu penses toujours à ton copain de Tokyo? C'est du passé maintenant. Ça a été difficile, mais maintenant, je suis fait de raison. La plupart des chemins ne sont faits que pour se croiser. Et du reste, j'avais déjà vécu ça avant Tokyo, alors... Décidément, t'as une vie amoureuse très compliquée. Si on veut. Et pourtant, tout était si simple entre Liv et moi. Liv? Olivia, la fille avec qui je suis sortie lorsque nous habitions à San Francisco. Allez, bi, ma petite Priya. Oh, vous avez, je savais. Je sais plus si vous me l'aviez dit. Je pense, j'ai dû le lire. Mais même, ça se ressent. Elle est très libre, en fait. Ça, tu vois, ça se sent qu'elle est épanouie. J'essaie de contrôler l'expression de mon visage. Je ne voudrais pas que ma surprise la blesse. Mais non. C'est pas la surprise qui blesse. Hein. C'est plus les... Ah bon? Là, oui, là, ça blesse. Mais ah bon? Ça blesse pas. Hé, hey, pas de stress, Thibaudounette. Oui, j'aime autant les filles que les garçons. Ça te surprend tant que ça? Maintenant que tu le dis, non, pas tellement. Mais je sais pas, là, tout de suite, je m'y attendais pas. Je pense que le sexe ou le genre n'a aucune importance. Tu peux aimer une personne pour son caractère, ses attitudes ou même son physique, pourquoi pas. Mais que la personne soit une fille ou un garçon ne m'empêchera pas d'être attirée par elle. Elle est pansexuelle. C'est vous qui m'avez appris ce que c'était. Bah, c'est exactement cette définition. C'est que genre, tu te fiches du sexe ou du genre la personne et que tu l'aimes vraiment pour elle, quoi. J'aime bien. Je le suis aussi. Copine Priya. En fait, c'est vraiment Priya qui me ressemble le plus, hein. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Ça va me donner à réfléchir. Contente de voir que t'es pas fermée à tout ça. Honnêtement, ce sont les rencontres que j'ai faites qui ont été déterminantes pour moi. Et Liv, dont je te parlais tout à l'heure, m'a vraiment ouvert l'esprit à ce sujet. Et si tu ajoutes à ça le cadre de San Francisco, je crois que je n'aurais pas pu passer à côté du fait de me poser certaines questions. J'aimerais voyager comme toi. Ça me ferait sûrement mûrir, moi aussi. Oh, tu sais, ma famille et moi avons une vie très particulière. À choisir, je ne suis pas sûre qu'un seul d'entre nous aurait voulu... Enfin, si, mon père ne nous avait pas imposé ça. Tu veux dire que tu en veux à ton père? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Ah, écoute, la situation est compliquée. Je pense que c'est ni le lieu ni l'heure pour en parler. Très bien, comme tu veux. Décidément, d'abord Iris, maintenant Priya. J'ai l'impression de ne plus connaître les gens que je côtoie tous les jours. En même temps, tu l'as dit toi, mais Priya, tu la connais pas, donc... Puis même Iris, tu l'as jamais parlé vraiment, en fait. Hein. Néanmoins, notre déjeuner s'est terminé dans la bonne humeur. Mon sandwich et ma poisson coûtent 2 dollars, 12 dollars. Nous avons réglé l'addition et je me suis levée de ma chaise un peu réticente.
Allez, va, ça va bien se passer. Je suis sûre que tout le monde a déjà oublié. J'aimerais en être aussi sûre que toi, en tout cas. Merci, Priya. Tu m'as secouru tout à l'heure et je t'en suis reconnaissante. Vraiment, t'es une fille chouette. Arrête, tu vas me faire rougir. Rosa nous a dit la même, tu sais. En arrivant devant le lycée, j'ai inspiré un grand coup. Bon, y a pas foule. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir esquiver les gens les plus lourds, bien à l'abri dans notre salle de classe. Peut-être. J'y crois pas. Si on nous prévient autant, c'est qu'on va tomber sur un con, c'est sûr et certain. Lorsque je suis arrivée en cours, j'ai remarqué que certains élèves me jetaient des regards narquois. Sérieusement, pour une chute? Non. Je sais pas, moi j'ai déjà vu des copines tomber, bah sur le moment tu te marres, mais enfin, c'est fini au bout de 10 minutes quoi, enfin, tu t'en fous. Je les ai royalement ignorés, j'ai cherché Castiel des yeux. Priam est passée devant et allait s'asseoir à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? À la fin du cours, ils se sont éclipsés tous les deux. Qu'est-ce qu'ils nous font? Bon sang. Priya manigance quelque chose, c'est obligé. Heureusement que j'ai dépassé la phase de jalousie que j'ai traversée à son arrivée ici. J'avoue. Il était dans mon sac. Pourtant, j'en suis sûre. Panique pas, il est peut-être tombé. Quelqu'un l'a sûrement ramené au bureau des délégués. Je commence à me dire que les gens n'ont pas assez de gentillesse pour penser aux autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'un portable. Ok, c'est chiant de l'avoir perdu, mais va au moins demander s'il est pas en salle des délégués avant de crier au loup. Tu as raison. J'y vais tout de suite. Son portable. T'en mêles pas, Thiboudounette, surtout ne t'en mêles pas, tu ne t'en mêles pas, tu ne t'en mêles pas. Elle va s'en mêler, on le sait. Mais après tout, je peux bien l'aider en cherchant son téléphone, et si je le retrouve, rien ne m'oblige à regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Voilà, je vais juste aider Iris, tout simplement. C'est ça, on y croit tous, on y croit complètement, on y croit totalement. Je t'ai vu tout à l'heure au réfectoire. Bon sang, Capucine, attention! Fais attention, mon estime pour toi se joue maintenant. Je crois que tout le lycée m'a vu en fait. Sûrement. Ça m'a un peu rappelé quand tu es venu m'aider l'autre jour. J'aurais dû t'aider aussi, je suis désolée. Tu sais, je t'ai pas aidé en espérant quelque chose en retour. Ouais, mais n'empêche, si je peux payer ma dette, je le ferai. J'ai secoué la tête. Si elle s'est mise ça dans le crâne, je peux pas y faire grand chose. Mais personnellement, j'attends rien de sa part. C'est bien, c'est bien. Elle s'est bien comportée. Elle est cool. Elle est devenue sympa, Capucine, c'est bien. Ah, trouvé. C'est sûrement le portable d'Iris. Je me suis juré de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans. Mais il faut bien que je vérifie si c'est le sien. Non, on ne se mêle pas des affaires des autres. Ça se fait pas. Non. Je vais me contenter de lui apporter le téléphone et lui demander si c'est le sien. Je suis passée par là tout à l'heure. Peut-être que je l'ai laissé quelque part. C'est la voix d'Iris. Paniquée à l'idée qu'elle me prenne pour une fouineuse, j'ai eu le réflexe le plus idiot du monde. J'ai plongé derrière un buisson pour me cacher. Sidérant, sidérant. Écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Si c'est un bon téléphone, il y a des chances que tu le revois jamais. Mais j'en ai besoin, j'en ai absolument besoin. Je te savais pas aussi accro à la technologie. J'ai vu Iris enfuir son visage dans ses mains et quitter les lieux d'un pas précipité. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a levé les bras en signe d'incompréhension. Maintenant que j'y pense, c'est pas la première fois que je vois Iris agir ainsi parce qu'elle a pas son téléphone à portée de main. Je me souviens encore de la fois où elle avait failli nous surprendre, Cassiel et moi, en train de nous embrasser devant le lycée. Moi aussi, ouais, moi aussi je m'en souviens. Elle voulait à tout prix entrer dans l'établissement pour récupérer son portable qu'elle avait oublié. Songeuse, je suis sortie de ma cachette. Petit boudounette? T'étais là tout ce temps, je t'avais même pas vu. Oups, j'avais presque oublié qu'Armin était encore sur les lieux, lui. Oui, je peux être discrète parfois. C'est ton téléphone qui vibre comme ça? On peut pas le louper, dis donc. Non, c'est... Je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris. Après tout, il ne se servit à rien de mentir. J'ai rien fait de mal. Oh, sérieux? C'est dommage, tu viens de la louper. Tu l'avais pas vue, elle était là, elle m'en parlait juste... Eh ben, elle doit en avoir des amis pour recevoir autant de messages. J'ai bien envie de regarder qui lui parle. Armin, non! Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, ce bruit! J'ai jeté un coup d'œil nerveux à l'écran verrouillé du téléphone qui ne cessait de s'allumer au rythme des vibrations. Allez, donne-moi ça! Non! Donne, je te dis! Il m'a pincé les côtes pour pouvoir prendre le portable. Je te préviens, je ne cautionne pas, il est verrouillé de toute façon, regarde. Bah, on peut quand même lire le début du message. Écoute, fais ce que tu veux, je ne m'en mêlerai pas. Quoi? Je croyais que tu voulais pas savoir. T'es pénible, hein? Plus sérieusement, tu devrais lire ça. Son brusque changement de ton a achevé de me convaincre que quelque chose n'allait pas. Tant pis pour mes bonnes résolutions. Sur l'écran verrouillé, on pouvait lire le début du dernier SMS reçu d'un numéro masqué. Je n'en ai pas fini avec toi, reste tranquille et attends mon prochain. J'ai senti un frisson désagréable parcourir mon échine. Ouais, elle est dans la merde. Hein. Je rêve ou ce sont des menaces? Disons qu'on peut se tromper, mais il y a peu de chance. C'est pas le genre de phrase qu'on dit à une amie. Peut-être qu'on interprète mal, peut-être qu'il y a un contexte. Il y a peu de chance.
Mais enfin, comment est-ce que quelqu'un pourrait en vouloir à Iris? Cette fille est une crème, elle ferait pas de mal à une mouche. J'en sais rien, mais ça pue. Tu crois qu'on doit en parler avec elle? Bah, ça me semblerait pas absurde, ouais. Sauf qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Développe. Samedi soir, pendant la partie de cache-cache, je me suis cachée dans la chambre d'Iris. Dis donc, c'est interdit ça pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Mon esprit de compétition s'est réveillé. Bref, je me suis cachée dans sa chambre, et quand elle m'a trouvée, j'étais près de son ordi, qui envoyait sans arrêt plein de notifications. Et elle a réagi vraiment bizarrement. Comment ça? Au début, j'ai cru qu'elle allait nous... me trucider, et une seconde plus tard, elle avait retrouvé sa bonne humeur habituelle. J'ai peut-être halluciné, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Mais le passé m'a prouvé que mes intuitions étaient plutôt aléatoires, alors... Ok, on va la jouer autrement. Donne-moi une minute, en 3 essais, je peux hacker son portable pour savoir ce qu'il en est vraiment. Hacker? Tu sais faire ça? En vrai, je vais juste deviner son code. C'est pas si compliqué quand tu connais la personne. Il suffit juste de réfléchir un peu. Je lui ai jeté un regard dubitatif. Ça me paraît bien trop aléatoire pour fonctionner, son histoire. Armin s'est mis à fixer l'appareil en pinçant les lèvres. Tout le monde sait qu'Armin ne jure que par les jeux vidéo, mais ça ne fait pas de lui un hacker, que je sache. Fais chier, j'ai raté le premier essai. Qu'est-ce que vous faites? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. En revanche, Armin ne s'est absolument pas laissé démonter. On a retrouvé le portable d'Iris. J'aurais préféré qu'il ait la présence d'esprit de mentir, par contre. Oh, c'est vrai! Elle va être soulagée, elle le cherche partout depuis 1 heure. Venez, on va lui rapporter. J'ai lancé un regard lourd de sous-entendu à Armin avant de quitter les lieux. J'ai laissé Melody marcher devant et j'ai attrapé Armin par le bras. Qu'est-ce qui t'a pris de tirer Melody quand on avait le téléphone? On devait regarder ce qu'il y avait dedans. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Fallait trouver un truc tout de suite. Peut-être mes bons sens, t'oublie pas ça. Vous savez où on peut trouver Iris, vous? Aucune idée, non? Des petits pas précipités ont résonné dans notre dos et je me suis interrompue. Ah, mademoiselle Mélodie, ça tombe bien que je vous croise. Elle a vraiment des seins astronomiques. Je peux vous aider? Je dois vous parler dans mon bureau. Avez-vous un peu de temps devant vous? Oh, oui, bien sûr. Elle s'est tournée vers nous. Vous pourrez vous débrouiller sans moi? Ouais, bien sûr. Chouette, on va pouvoir regarder le téléphone finalement. Mélodie est partie en compagnie de la directrice. C'est bon, tu peux essayer de trouver son code maintenant. Non, pas ici, t'as bien vu ce qui vient de se passer. Si on se fait encore surprendre, c'est mort. T'as sûrement raison. Cherchons un endroit tranquille. Il n'y a personne ici. Parfait, on va pouvoir regarder tout ça. Il a sorti le téléphone de sa poche. Mon téléphone! Oh non. Alors c'était vous? C'était vous depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu racontes, Iris? On vient juste trouver ce téléphone. C'est le tien, du coup? Oui. Iris? Avant que nous n'ayons pu anticiper quoi que ce soit, Iris a fondu en larmes sous nos yeux. Oh non, Bichette! Sans réfléchir, j'ai passé un bras autour de ses épaules. Hey, dis-nous ce qui va pas, on veut t'aider. C'est rien, c'est juste j'ai très mauvaise note en ce moment. Hein? En histoire, j'ai eu un 4 au dernier contrôle. Tu te mets dans des états pareils pour une note? Je risque de redoubler si je fais pas attention, je veux pas redoubler. Allez, calme-toi. Je lui ai frotté le dos pour tenter de la calmer. On peut peut-être demander à Nathaniel de t'aider, il l'a fait pour Kim. Justement, on va pas lui demander de s'occuper encore de quelqu'un. On va t'aider, nous, Iris. Vous? Mais vous êtes sûr? Vous avez de bonnes notes? Moi, je me débrouille, on va dire. Mais peut-être que quelqu'un comme Priya serait plus... Arrête donc de faire ta modeste, Thiboudounette. T'as de très bonnes notes en histoire. Et moi aussi, d'ailleurs. Et il m'a jeté un coup d'œil appuyé. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de gagner la confiance. Il essaie de s'infiltrer dans la place. Ok, alors... On va te donner des cours. Où ça? En salle de permanence? Non, c'est pas une bonne idée. Le mieux, ce serait un endroit où tu te sens à l'aise. En confiance, tu vois. Mais où ça? Chez toi, par exemple. Bon sang, je sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais je la sens mal, son histoire. Vous voulez venir chez moi? Mais c'est pas trop embêtant pour vous? Non, au contraire, on l'aime bien ton appart, il est cool. On a qu'à se voir ce soir. Plus tôt on t'aidera, mieux ce sera. Je... Oui, sûrement. Ça te va, Thiboudounette? Bah, faut que je voie. Il m'a pincé discrètement le bras. Ah, oui, oui, ok, ça marche. Ok. Merci, les amis. Vous êtes vraiment adorables. Elle a quitté la salle en s'essuyant les joues. C'est une infiltration comme une autre, hein, c'est pas... Armin a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je lui ai fait signe de se taire le temps que les pas d'Iris s'éloignent. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais avoir l'air stupide, moi, lui donner des cours d'histoire, je suis loin d'être la meilleure. T'inquiète, elle en a pas vraiment besoin. Comment ça? Elle ment, c'est évident. Bah, c'est pas vraiment l'impression qu'elle m'a donnée, hein. Non mais sérieux, tu pleurais pour une mauvaise note, toi? Sûrement pas, mais Iris... Iris a un tout autre problème que ses mauvaises notes en histoire, et tu le sais aussi. Ok, ok, moi aussi j'ai de sérieux doutes. Comme si cette note n'était que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Un truc dans le goût là, ouais. Sois pas nerveuse, à deux on sera plus fort. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que tu mijotes?
Je vais fouiller son ordi pendant que tu lui donneras un cours. T'es sûre de pouvoir faire ça? À 100%. Et je compte sur ta créativité légendaire pour l'occuper le temps qu'il faudra. Ouais, je ferai de mon mieux. Je suis pas très à l'aise là. Me voilà encore embarqué dans une histoire qui ne me concerne pas. Mais mon instinct me dit qu'Iris n'est pas de taille à affronter seule ce qui lui arrive. Ouais, là, tu vois, ça va trop loin. Il faut qu'elle se pose avec et dise, écoute, meuf, j'ai récupéré ton portable, j'ai vu qu'il y avait un message chelou, il se passe quoi? Tu vois, voilà. Armin, au lieu de manigancer ce genre de plan, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de lui dire directement qu'on se doute de quelque chose et la pousser à se confier? Elle est parfaite. Elle devient bien, hein, cette gamine, hein. On a bien essayé de le faire à l'instant et elle nous a baratiné avec son histoire de mauvaise note. Cherche pas, elle est pas prête à parler. Faut l'aider autrement. J'ai fini par capituler. Armin a l'air sûr de lui. Au moins, c'est rassurant de savoir que je vais pas m'occuper de ça toute seule. À la fin de la journée, j'ai décidé d'aller attendre Armin et Iris devant le lycée. J'ai prévenu mes parents que ce serait de rentrer tard. De leur côté, ils passent la soirée en amoureux au restaurant, puis au cinéma. Ils vont sûrement rentrer bien plus tard. Dire qu'on aurait pu passer ce temps-là avec Castellune. Ils doivent pas être loin. Ah, vous êtes déjà prêts? Pareil, mon capitaine. J'ai prévenu ma mère et mon frère que vous veniez. Ça risque d'être dur de se montrer discret avec tout ce monde dans l'appart. Vous suivez toujours? C'est par là. Iris nous a guidés jusqu'à chez elle. Il faut dire qu'on avait un peu oublié le chemin. Alzheimer, ça soigne pas. Mais bon, ok, c'était une mauvaise blague. En tout cas, elle avait l'air plus détendue que plus tôt dans la journée. J'ai l'impression que notre présence à Armin et à moi lui a fait du bien. Et voilà, posez vos affaires. Et si on prenait un goûter avant de se mettre au travail? J'ai jeté un regard en coin à Armin. Oui, ok, c'est très gentil. Venez, je vais vous montrer ce qu'on peut proposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle s'est mise à fouiller dans les placards. Des cookies et du jus de fruits, ça vous va? Il en reste pas mal depuis la soirée. Bah alors, il reste même pas un peu de punch? Je me suis pas trompée, vous avez vu? Bah non, c'était juste pour la fête. Je plaisante, détends-toi. Bonjour les enfants, ravi de vous revoir ici. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez aider Iris, n'est-ce pas? C'est adorable de votre part. Ouais, on est des cracks en histoire. Pitié, Armin, n'en fais pas trop. Très bien, très bien. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a des bonbons dans le bocal, si vous voulez. Merci maman. Nous avons rassemblé nos victuailles avant de partir nous installer. Nous avons posé sur la table du salon et nous nous sommes assis dans une ambiance plutôt détendue. Nous avons bardardé joyeusement tout en savourant nos cookies. J'en oublierai presque l'état dans lequel était Iris cet après-midi. J'ai quelque chose à faire vite fait dans ma chambre. On se retrouve sur le patio pour travailler? Comme tu veux. Tu vas faire quoi? Je vais donner un coup de coude. Juste vérifier mes mails. Et tu peux pas regarder ça sur ton téléphone? Viens Armin, on va faire un tour dehors en attendant. Il est discret ce mec. Mais j'ai pas envie de prendre l'air. Moi j'ai envie, viens. Iris est partie dans sa chambre tandis qu'Armin et moi nous levions de table. Non mais ça va pas. Sois plus subtil Armin. Subtil. Comme Sekton, tu vois, c'est pareil, Grourou, enfin Sekton, youtubeur Pokémon que je connais, que j'adore. J'arrête pas de lui dire, sois subtil, le gars il... c'est pas son fort. Je crois que c'est pas le fort des hommes, parce que Kim c'est pareil. Au niveau de subtilité, on est plutôt à moins 100, tu vois, c'est... Hey, je la secoue juste un peu. Elle a pas besoin d'être secouée, pas tant qu'on ne sait pas plus en tout cas. Comment tu comptes t'y prendre d'ailleurs? Je sais pas encore, je suis au feeling. J'espère qu'il sera bon ton feeling, avec la mère d'Iris dans la maison. Ça va aller, t'inquiète. Ok, mais pitié, sois discret. Bon, apparemment, Iris n'est toujours pas sortie de sa chambre. On va la chercher. Je vais y aller, reste là pour l'instant. Ah bah merci, la confiance règne. Je te fais confiance, mais inutile d'être deux, je vais pas donner l'impression de l'envahir. Ok, comme tu veux. Armin a accepté de rester tranquillement assis dans le salon et je suis partie chercher Iris. J'ai frappé à la porte de la chambre d'Iris, hésitante. Oui? Iris, c'est Thiboudounette, tu ne viens pas? Si, j'arrive, j'en ai plus pour longtemps. Ok. Alors, elle vient ou pas? Elle m'a dit qu'elle arrivait. J'ai hâte d'aller jeter un œil dans ses mails. Et si ça lui prend autant de temps, ça doit être... Tout va comme vous voulez? Oui, Iris? Dans sa chambre, elle doit nous rejoindre bientôt. Très bien, je pars avec Thomas faire quelques courses. Dites à Iris que je reviens dans une heure ou deux. Je suis vraiment obligée de venir. Je pourrais aider Thiboudounette à donner des cours à Iris. Non mais toi, tu va-t'en, va sortir avec une fille de ton âge. Ce garçon est épuisant. Je n'aime pas ce garçon me stresse. Ben voyons, c'est moi que tu vas aider, petit frimeur. Allez-y. Thomas a suivi sa mère en traînant les pieds. Armin et moi avons attendu 5 minutes de plus. Elle se fiche de nous là, je vais la chercher. Attends, je viens aussi. Ah, te voilà. C'est pas trop tôt, dis donc. Désolée, je parlais avec un ami. Pas de soucis, t'inquiète pas. On s'y met du coup? Oui, allons nous installer. On sera mieux sur le patio. Oui, c'est plus agréable. Alors, par quoi on commence? Je sais pas trop.
Qu'est-ce que t'as pas compris? Attends, je te montre. Elle a sorti un énorme classeur plein de feuilles volantes. Ça s'annonce compliqué. Commencez à ranger vos affaires déjà. Si vous coursez le bordel, vous aurez pas envie de les bosser. Nous avons repris les derniers cours de Monsieur Farès en tentant de démêler les problèmes d'Iris. Mais même ses questions étaient confuses et j'ai mis du temps à comprendre que c'était en géographie qu'elle avait eu une mauvaise note et pas en histoire. D'accord. J'ai rien trouvé de mieux à faire pour l'aider que de reprendre nos leçons point par point. C'est très bien. Et il faut avouer qu'Hermine ne nous aidait pas beaucoup. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Oh non, c'est pas ça son excuse pour aller fouiller dans l'ordinateur quand même. Elle sera jamais dupe, à moins qu'il puisse agir rapidement. J'y connais rien, moi je sais pas combien de temps ça peut prendre. Il m'a adressé un clin d'œil tandis que je regardais disparaître à l'intérieur, anxieuse. Alors, on en était où? On peut faire une pause si tu veux. Oh non, 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 t'oublie pas ça, il faut que je trouve de quoi l'occuper et vite. Ouais, parlons un peu d'autre chose que Géo. Oui, avec plaisir. T'as vu ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la cantine? Ça, c'est de l'abnégation. Elle oublie sa propre peine pour penser à l'autre. Bon, j'aurais pu trouver un sujet plus sympathique, mais visiblement, je suis pas la reine de l'impro, hein. J'ai pas vu sur le coup, mais j'en ai entendu parler après, oui. Tu t'es pas fait mal, au moins? Non, ça va. Si on exclut mon ego. C'est Ambre qui a fait ça? Je me suis toujours à peu près entendue avec elle, mais elle me déçoit de plus en plus. Iris qui perd sa positivité. Les temps changent, on dirait. Ouais, pauvre. Ouais, c'est elle. J'ai peu d'espoir qu'elle change. Je préfère laisser tomber avec elle. Certaines personnes sont juste méchantes, j'ai l'impression. On peut rien faire contre ça. Et si on allait s'asseoir sur la balançoire au fond du jardin? Loin de nos feuilles de cour. T'en dis quoi? Son visage s'est éclairé instantanément. Oui, bonne idée. Oui, on va pas du tout bosser, en fait, hein. Nous avons pris place sur la balançoire. Quand je suis ici, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. J'ai vu un sourire se dessiner sur ses lèvres. Mais il a tout de suite cédé la place à une expression d'anxiété. Oh, ma bichette, mais c'est qui cet enfoiré qui la harcèle, là? Je vais te démonter, moi. Je lui casse la tête. Iris, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, avoue-le. Mais non, c'est rien. C'est simplement cette mauvaise note en histoire et... en géo. Oui, oui, en géo. Elle s'est mise à se balancer nerveusement. Mais au fait, où est Hermine? Il en met du temps pour aller aux toilettes. Je sais pas. Je vais voir ce qui se passe. Mais non, reste là. Repose-toi un peu, je vais aller voir, moi. C'est pas normal. Il faut que j'aille voir. C'est la cata. Je savais bien que ça finirait comme ça. Elle avait une sale tête, en plus, là. Hein. Il faut que je trouve quelque chose pour la ralentir, vite. T'as entendu ce bruit? Non, j'ai rien entendu. Si, dans la cuisine, viens voir. J'aurais pas... Moi, j'aurais fait semblant de tomber, tu vois, plutôt. Vite, trouver un prétexte, vite. Je sais pas ce que tu essaies de faire, Thiboudounette, mais tu es très bizarre. Mais ça venait de là! Bon, je retourne chercher Hermine. Ah, oh, bien joué, Thiboudounette. Iris se dirige à grands pas vers le couloir. Prise d'une inspiration soudaine, je fais semblant d'éternuer un grand coup. J'espère qu'Hermine aura entendu mon signal approximatif. En tout cas, Iris a à peine marqué un temps d'arrêt. Oui, bah, en même temps, non, elle aurait dû te casser la gueule. Fin... Ah, putain, j'ai trop mal au genou! Tu vois, un truc comme ça. Ouais, ouais, je rentre bientôt. Tu peux te débrouiller 2 secondes sans moi, non? Ah, on dirait qu'Hermine au téléphone. Ouais, à tout Alex. Il a raccroché. C'était Alex. On avait cru comprendre. Ah, tu étais au téléphone? Ouais, Alex a toujours tendance à avoir besoin de moi quand je suis pas là. J'imagine que c'est ça aussi, avoir un jumeau. Pas forcément. Je suis indépendant, moi. On retourne à nos révisions, du coup. Il commence à être tard. Rentrez chez vous. Vous m'avez déjà bien aidé. Sérieusement, on a quasiment rien fait. Ouais, je suis d'accord. Ça devrait aller mieux très bientôt pour toi. Ok, c'est sûrement moi qui essaie d'envoyer un message, là. C'est gentil de dire ça. Merci, Hermine. J'ai pas insisté, bien trop pressée de savoir ce qu'Hermine avait découvert. Alors, Iris nous a chaleureusement raccompagnés à la porte. Bizarrement, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à leur mettre du baume au cœur. Bah oui, forcément, ça lui change les idées. Hein. Nous avons quitté l'appartement avec Hermine en tâchant de nous contenir. Je pense qu'il est aussi impatient que moi de me raconter ce qu'il a découvert. Alors? Il s'est mis à regarder de tous côtés d'un air suspicieux. Attends, on va s'éloigner un peu, histoire d'être sûr. Mais sûr de quoi? Hermine, attends! Je pense qu'on peut parler ici. Tu es sûre devant le lycée? Ça va, il n'y a plus personne à cette heure-ci. Bon, du coup... C'est pas joli, joli. C'est-à-dire? Crache les morceaux, tu vas me tuer avec tout suspense! Quelqu'un veut du mal à Iris. C'est bien des messages de menace qu'elle reçoit. Tu sais qui lui envoie ça? C'est anonyme, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. J'ai moyennement envie d'en rire, ouais. Visiblement, cette personne sait quelque chose sur Iris que tout le monde ignore, et elle en profite pour la faire chanter. C'est horrible! Ouais... J'ai essayé d'en savoir plus, mais Hermine n'avait évidemment pas eu le temps de lire tous les mails reçus par Iris. Il va falloir éplucher ses emails. J'ai tout mis sur une clé USB. Waouh, il est efficace ce mec! Mais pas ce soir. On en a bien assez fait pour aujourd'hui, tu ne crois pas? C'est pas faux. Je te montrerai tout ça dès qu'on aura un moment. Mais maintenant, il est temps que je rentre. Ouais, je comprends.
Bonne soirée alors, on reparlera de tout ça. T'inquiète, à demain. À demain. Je dois avouer que les événements d'aujourd'hui m'ont un peu terni le moral. Et je sais parfaitement ce dont j'aurais besoin là tout de suite. J'aimerais que Castiel soit là. Oh, c'est trop mignon! J'ai regardé l'heure. Mes parents ne rentrent pas tout de suite, j'ai encore le temps. Sans réfléchir davantage, je l'ai appelé pour lui demander de venir. J'ai besoin de me sentir en sécurité, de ne pas être seule. Il a accepté tout de suite. Génial, maintenant je suis nerveuse. Oh, mais faut pas! Enfin, ça ne pourra pas être pire que la dernière fois, en espérant que mes parents ne répliquent pas encore. Ah, c'est lui qui arrive là-bas! Nous nous sommes enlacés sans un mot. Oh, ils sont vraiment mignons maintenant! Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à former un beau couple. Ça va? T'as l'air bizarre. T'inquiète pas, je suis juste un peu contrariée. Viens, entre, on en parle à l'intérieur. Je suis contente de retrouver ma chambre, c'est sûrement l'endroit où je me sens le mieux, loin des autres et de leur mesquinerie. Castiel est allé s'affaler sur mon lit en poussant un soupir. Ça va? Tu prends tes aises? Viens avec moi au lieu de jouer les filles choquées. Je me suis allongée à côté de lui, mon cœur battant un peu plus vite que d'ordinaire. Oula, 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 est-ce qu'on va passer un cap dans la relation? Non, non, pas. Ça veut dire, mais faut parler aussi quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Disons que j'ai dû faire face à la méchanceté et la bêtise humaine deux fois de trop aujourd'hui. Tu veux parler d'Ambre? Entre autres. D'ailleurs, je t'ai pas vu ce midi quand... Quand elle m'a humiliée une fois de plus. Ouais, j'ai mangé tard. J'étais pas encore là quand c'est arrivé. Mais Miss Ninja m'a dit ce qui s'était passé. Il a l'air de prendre ça avec détachement. Ça lui ressemble pas trop, c'est bizarre. Ah oui, je vous ai vu partir ensemble après le cours. Si j'avais pas appris à connaître Priya, j'aurais été jalouse. T'as rien à craindre. Ah non? Miss Ninja est plutôt pas mal, mais ça entre pas en ligne de compte. Pas alors que je peux t'avoir toi. Comment ça m'avoir? Peut-être que c'est moi qui t'ai eu. Sûrement, ouais. Je me suis allongée à côté de lui, mon cœur battant un peu plus vite que d'ordinaire. Encore le fameux cœur qui bat plus vite que la moyenne, hein. Castiel a roulé de côté avant de poser sa main sur ma joue pour un baiser très tendre. C'est bizarre qu'ils disent rien quand on nous ait fait tomber, quand même. C'est un baiser différent d'habitude. Étrangement, ça me donne de moins en moins envie d'être sage. Ouf, la 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 la. Est-ce que ça va partir, hein? On va voir. J'ai cependant rassemblé mes esprits pour lui raconter ce qui s'était passé ensuite. Et puis, il y a eu l'affaire d'Iris. L'affaire Iris? Je lui ai tout raconté depuis le portable perdu jusqu'au rapport d'Armin il y a moins d'une heure. Bon, sinon, quand est-ce qu'on refait le portrait de cet enfoiré qui harcèle Iris? Dès qu'on saura de qui il s'agit, il va falloir mener l'enquête. Il va falloir que je te surveille de près, tu veux dire? J'ai pas besoin de babysitter? Ah non? Non? Je l'ai fait basculer pour me retrouver au-dessus de lui. Castiel a plongé ses yeux dans les miens et une lueur de défi dans le regard. Oh, c'est le meilleur début pour des câlins passionnés. Oh, c'est trop joli! Bon, par contre, elle a qu'un œil, mais c'est trop joli! Ah, ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, hein. Franchement, c'est un beau couple. Je suis fière d'eux, je suis très fière de leur couple. Elle est passée où, la lycéenne timide que j'appelais Fillette? Je vois pas de quoi tu parles. J'ai posé mes lèvres sur les siennes avec une passion non dissimulée. Son étreinte est devenue plus ferme et il a répondu à mon baiser avec encore plus d'ardeur. Nous sommes restés au moins une heure dans ma chambre, dans les bras l'un de l'autre. Petit à petit, mes angoisses se sont calmées, laissant place à une certitude. Qui que puisse être ce maître chanteur, il ne sévira pas longtemps face à une équipe comme la nôtre. Terminé l'épisode. Ah, ça c'est bien! Ah, c'était bien! C'était bien! J'ai grave kiffé! Franchement, j'ai grave kiffé! Bon, alors, le bilan. Bon, il y a de la merdouille, mais ils sont tous soudés face à la merdouille. Un peu comme la petite maison dans la prairie, tu vois. Genre, il y a des enfants qui meurent et tout ça, mais ils sont tous ensemble. Bon, là, c'est moins grave quand même, mais. Donc, j'espère qu'on va réussir à aider Iris, mais je pense quand même, avec tout ce qu'on a déjà affronté, c'est pas un petit harceleur de merdouille qui va nous arrêter, hein. Et puis, alors, franchement, Castellounet et Thibaudounette, c'est le couple de l'année. Je trouve qu'ils font franchement un couple de ouf. Je sais pas du coup ce qu'ils rendent. Enfin, ce que l'histoire donne quand Thibaudounette est en couple avec un des autres mecs. Je sais pas si c'est aussi approfondi. Mais je trouve qu'en fait, comme Castiel est là vraiment depuis le tout début, comme Nathaniel ou Lisandre en fait, bah il y a vraiment, je trouve, un truc en plus. Enfin, on l'a vraiment vu évoluer. Leur relation a vraiment évolué clairement. Et je trouve ça trop mignon. Franchement, ils existent vraiment, je trouve, dans notre esprit, quoi. Ça qui est génial. Et donc, par contre, j'espère que bientôt, tout le monde va savoir, hein, pour le couple. Hein. Ne me spoilez pas, attention, comme d'habitude, vous pouvez me guider comme, dans les commentaires pour ce qu'il faut faire pour voir l'illustration. Mais pas de spoil, je compte sur vous, c'est important. On est presque au bout. D'ailleurs, à propos de ça, quand Amour Secret va être terminé, c'est-à-dire que là, je crois qu'on a l'épisode 36 actuellement sur le jeu, c'est-à-dire il reste 2 semaines... Après, du coup, je referai Amour Sucré quand l'épisode suivant sortira. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, l'épisode 37 sort dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, je ferai une vidéo de l'épisode 37. Donc, ça sera encore une vidéo, une seule, avec tout le contenu à l'intérieur, comme je le fais maintenant. Mais il y aura bien sûr plus Amour Sucré tous les dimanches.
Mais on en reparlera dans 15 jours. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je trouverai autre chose à faire à la place. Donc, amour sucré, en tout cas, je finirai le jeu. J'irai au bout en même temps que les développeurs sortiront les épisodes. Voilà, je tenais juste à le préciser. Parce que j'ai vu que beaucoup, quand même, pour commencer à me poser la question. Je vous rassure, j'irai au bout. Je n'abandonnerai pas Thiboudounette. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous. J'ai passé un excellent moment, même si j'ai un petit peu plus de voix. Je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.